Mon nom est Sylvain Lapointe, je suis directeur national pour la région Montréal métropolitain du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Nous sommes présentement à Ottawa en attente des membres de partout à travers l'Ontario et le Québec, donc, et des membres de la population aussi, afin de manifester notre désaccord quant à la décision du gouvernement et de Postes Canada de cesser à la livraison porte-à-porte du courrier. C'est important pour les Canadiens et Canadiennes, les Québécois et Québécoises de prendre part à cette manifestation, à tout le moins de soulever leur désaccord à leurs membres de Parlement, parce que définitivement, ce que Postes Canada s'apprête à faire va avoir un impact grand sur un gros segment de la population, entre autres les personnes âgées, à titre d'exemple, ou les personnes à mobilité réduite, ou les personnes monoparentales qui vont devoir se déplacer dans ces boîtes-là. Il y a aussi une question de sécurité. Sécurité du courrier, mais sécurité de ces personnes-là qui vont devoir se déplacer pour aller chercher leur courrier dans des boîtes postales communautaires. Je veux vous dire que les retraités sont solidaires avec vous autres. Les retraités vont vous appuyer et ils vont continuer de vous suivre. N'oubliez pas non plus! N'oubliez pas non plus! J'ai une suggestion pour M. Deepak Chopra. Il aime ça prendre des marches, mais qu'il aille prendre une grande marche, puis qu'il ne revienne plus! Si Postes Canada et le gouvernement Harper pensaient que deux semaines de vacances dans le temps des fêtes allaient nous faire oublier la décision odieuse qu'ont pris, ils se trompent en calvaire! Il est important de se rappeler que le service postal n'appartient pas à Stephen Harper. Il n'appartient pas à Deepak Chopra, le président de la compagnie. Il appartient à la population. Et la population est en droit de s'exprimer quant à l'avenir du service postal public et universel. Et c'est ce qu'on va s'assurer que le gouvernement comprenne bien aujourd'hui. Solidarité!